Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, cette délibération me permet d'attirer votre attention sur la gestion des locaux municipaux dans une ville qui rencontre les difficultés financières que l'on sait. Il existe de très nombreux locaux vides, rue des Alliés, place des Géants, appartenant à la ville ou occupés par des squats autorisés comme rue des Alliés, ou des locaux vides appartenant à la métropole sur le territoire de la ville, comme Prémalliance avenue Renoir, comme l'ex-caisse d'épargne chemin de la Poterne, etc. Cette gabegie a évidemment un coût pour le contribuable. À l'occasion du renouvellement de la convention d'occupation des locaux de la rue Lesdiguières par l'agence d'urbanisme, j'attire votre attention sur cette gestion. Comment se fait-il que vous ne proposiez pas de loger cette agence dans des locaux vides de Villeneuve, où la présence des urbanistes apporterait un sursaut de qualification au quartier, avec ces cadres qui consommeraient dans le secteur des urbanistes de surcroît qui ont été au cœur du concept du quartier et pourraient donc partiellement vivre et apprécier les effets de leurs options pour en tenir éventuellement compte dans l'avenir. Au passage, je me demande pourquoi ils ne le proposent pas eux-mêmes. En parallèle, les locaux de la rue Lesdiguières pourraient, eux, être loués au prix du marché et apporter un surcroît de recettes à la ville plutôt que de les mettre à disposition bien en deçà de leur valeur locative réelle, de 322 000 euros par an pour près de 2 000 mètres carrés, alors qu'ils sont loués 122 000 euros. Tant que vous ne créerez pas une synergie positive entre les différents outils dont vous disposez, la ville s'enfoncera dans la crise sociale et la crise financière. Vous ne pouvez pas vous contenter de reconduire aveuglément ce qui a été fait dans le passé. Les locaux de l'AURG, rue Lesdiguières, représentent une perte pour le rééquilibrage des quartiers et une perte financière pour le budget de la ville. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire et peut-être pourriez-vous y réfléchir pour l'avenir. S'agissant de ces locaux et de tant d'autres, il est toujours temps pour bien faire. Je vous remercie.